Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci pour les commentaires que vous laissez et les likes. Partagez aussi la vidéo. Bonjour la reine Victoire. Bonjour le roi Peter. Reine Michel, Martin, le roi Martin. La reine Nathalie, la reine Charlotte, la reine Mandeng. Je vous aime aussi. Bonjour les Sénégalais, monsieur Yo. Très bien. Donc, si vous êtes nouveau sur ma page, ça veut dire que les préliminaires, là, vous avez oublié, soit vous ne connaissez pas. Je vais bien. La reine Kojane, la reine Emma, la reine Annette, bonjour. La reine Ariston, bonjour. La reine Annie, bonjour. La reine Epiphanie, bonjour. J'ai un message très... Vous savez qu'il y a les saisons et vous devez absolument être connecté à la saison dans laquelle vous êtes. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans votre vie. Moi aussi, je vous aime. Bonjour la reine Epiphanie. Vous êtes dans une bataille spirituelle. C'est pour ça que vous allez voir les gens vont sortir de nulle part parfois pour vous faire du mal. Tu vas te demander, mais je ne t'ai rien fait. Donc les gens vont sortir de nulle part pour vous faire du mal. Donc votre message ce matin, c'est que vous devez savoir que c'est la saison des distractions. Voilà, tu commences déjà à écouter mes vidéos. Je commence à te dire que tu es une choisie, tu es une reine. Je commence à te dire que tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Bon, ok, le roi José. Maintenant, ta façon de te voir est en train de changer. Je vous dis encore, le changement physique commence d'abord dans la tête. Et les gens qui sont autour de toi, les gens peuvent vous bloquer de plusieurs façons. La jalousie. Ils sont jaloux de toi. Ils mal parlent de toi. Certains peuvent m'aller porter plainte contre toi pour des trucs qui n'ont pas de sens. Les gens vont aller mal parler de toi à ta femme, à tes enfants, à ton patron. Et là, tu te dis, mais attends un peu. Donc, ils se soumettent à des esprits qui vont les influencer à faire certaines choses contre vous. Et ces choses, quand ils vont partir les faire, c'est dans le but. Souvent, tu vois, hein, quelqu'un passe à t'accuser quelque part. Tu viens pour répondre à l'accusation. La personne est en train de t'insulter. Je te mets un peu. Tu étais déjà plein au patron, non? Tu étais plein au chef de famille, non? Ok. Laisse maintenant que la personne écoute ce que tu as dit. Ne m'indexe pas. Ne m'insulte pas. N'insulte pas mon mari. N'insulte pas mes enfants. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont particulièrement vouloir attaquer ce qui est personnel pour vous. Bonjour la reine Foster. Merci, je reçois les bénédictions. Bonjour Kafoui.
Donc tu vas te demander, mais attends un peu, je vous ai même fait quoi? Tu arrives peut-être au supermarché, tu achètes quelque chose, la serveuse te voit, la caissière. Elle te sert avec un mauvais cœur. Tu sens que la fille, elle a un problème contre moi. C'est la première fois que tu la vois. C'est la première fois. C'est même parce que tu es arrivé devant et tu sentais bon. You know, you're just laying it. Tu as tes matobos sur la tête comme moi là, avec ta couronne. Tu ne la calcules pas. Elle te regarde. Ça l'énerve. Bonjour la bichette. Elle fait l'attitude. L'attitude. Madame, vous n'avez pas vu de ça. Il dit, non, il n'y a pas de problème, la voiture est dehors. Hey, comme tu as dit que tu as la voiture là. Hey. Donc tu es belle comme ça, tu as la voiture. Et moi, il n'est pas la voiture. Ah, elle te fait l'attitude. Tu dis, mais madame, si vous voulez laisser, s'il n'y a pas laissé, je pars, laissez. Donc, tu te demandes que je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Qu'est-ce que tu me veux? L'autre jour, je passais à l'aéroport. J'étais parti au village. En rentrant, il prend l'avion. Il arrive. Généralement, quand je passe dans les aéroports, on ne me demande pas d'enlever mes bracelets. Oh. J'arrive devant l'homme, c'est là. Il veut me montrer qu'il est. Je retire tout. Je retire les bracelets. Je dis non, je passe à voir dans la machine. Si ça siffle, je reviens. Si ça ne siffle pas, laisse-moi y prendre. Est-ce qu'il voulait entendre? Il dit que monsieur, si ça ne va pas appeler votre manager, je n'enlève pas mes bracelets. Il dit, et si c'est moi le manager, tu vois son collègue derrière, il dit, mais monsieur, calme. Monsieur. Il essaie de le calmer, que calme-toi, non. Il s'est enflammé. Je le regarde comme ça là. Il dit que je n'enlève pas, je le regarde aussi. Non, c'est son collègue finalement qui vient dire, non madame, c'est pour votre sécurité. Non, vous savez. Je lui dis, laissez-moi passer, la machine signale. Je reviens. Il dit, là, j'attendais qu'ils appellent supérieur de n'importe qui. Finalement, le collègue dit, madame, passez. Je passe. Ça ne signale pas. Il ne me calcule même plus. Vous devez comprendre qu'ils seront cachés dans n'importe qui, n'importe où. Et je vais vous dire pourquoi ils font cela. Parce que quand tu te retrouves dans une altercation comme ça, le but c'est de prendre une partie de ta vertu. On a le pouvoir dans notre corps. Pas la blague. Ce que je vous dis, c'est pas la blague. Tu as la capacité de rester dans. Tu es zen dans ta tête. Même si dans ton compte, tu n'as pas 50 euros. Fin de la journée, 300 euros arrivés. Pourquoi? Ton esprit. Tu es zen. Mais regarde, il n'y a pas ça. Hé, on va nous renvoyer. On m'a dit qu'on a tout coupé le personnel. Hein? Non. Tu es calme. Tu es en train de rentrer peut-être d'une. Tu es parti, tu as fait un voyage. Tu as fait des trucs, ça s'est bien passé. Voilà, tu es en train de rentrer. Et comme tu rentres comme ça, là, tu as plein de bénédictions. Vous savez ce qui se passe quand tu as une confrontation avec quelqu'un. La Bible parle beaucoup de la colère. Be angry and sin not. Fâche-toi peut-être, mais ne pêche pas. Bon, Peter, tu as dit que tu es porteur d'une... Parfois, on est porteur d'une énergie négative. Je suis convaincu que notre énergie... Il y en a qui, quand vous arrivez, vous avez un esprit de rejet. Quand vous commencez à suivre mes vidéos, tu commences à faire ton travail spirituel. Tu prends le kit déblocage, tu prends le kit fondation, tu fais tes lavages au pipi. Toutes ces choses que tu fais, ça t'enlève... Ça enlève...
Enfin, ce sont des énergies. Et ces énergies, vous les prenez généralement où? Dans vos, les endroits où vous avez grandi. Peut-être tu as grandi dans une maison où, justement, le kit fondation est conçu pour ça. Pour te défaire des pensées de ta famille. Parce que quand tu grandis, c'est pour ça que souvent, quand un homme et une femme restent longtemps ensemble, après, ils commencent à se ressembler. Parce que vos énergies se collent ensemble. Vos pensées, parce que vous parlez ensemble. Vous couchez ensemble. Et généralement, vous, quand vous quittez de vos lieux, là où vous avez grandi, vos frères et sœurs, votre maman était toujours, ah vraiment, ça va. Nous, on nous menace toujours. Tu vois déjà des mères qui sont toujours en train de faire, ah vraiment, tu as appris ça. Tu commences ton kit fondation. Tu fais le kit de blocage. Tu bois le thé de désenvoûtement là. Ça enlève les trucs dans ton corps. Les choses qui faisaient que ton énergie était toujours instable. Tu te laves, tu parles. Ça change ta vibration. Et tu attires avec ta vibration. C'est ta vibration qui fait que l'argent vient à toi. C'est ta vibration qui fait que, je ne sais pas, dites-moi, je ne sais même pas quelqu'un, c'est ce qu'on va encore dire. Que tu attires ton mari, que tu attires ton boulot, que tu attires tes clients, que tu attires... Parce que tu te lèves le matin. Et utilisez beaucoup le sel arc-en-ciel. Parce que le sel arc-en-ciel va nettoyer vos différents chakras. Le spirituel n'est pas comme le physique. Dans le spirituel, je peux prendre une goutte de sel rouge. Une petite pincée, je mets dans l'eau. Je me lave avec. Je ne vois pas le rouge, je suis dans l'eau. Mais à l'échelle spirituelle microscopique, je me suis purifié avec ce sel. Donc, quand ces personnes viennent et sont provoquées par leur mauvais esprit, ce sont des personnes qui ne font pas de travail spirituel. Ce sont des personnes qui ont en eux la jalousie, la haine, qui sont méchantes, aigries. Et généralement, ça marche avec la pauvreté. Parce que quand tu restes autour de ce genre de personnes, parfois tu peux même chez ta cousine en week-end, non. Elle accouche même, tu peux visiter l'enfant. Tu vois même là-bas l'endroit où elle vit comme ça. C'est sale. C'est vieux. C'est petit. Tu te demandes que... Ah! L'énergie. C'est comme ça qu'on va commencer à te nettoyer. On va commencer à te laver. Tu vas rester un matin comme ça. Tu vas dire que je dois déménager cette maison. Je ne vais plus rester dans le quartier ici. Parce que ta vibration s'est élevée au-dessus de l'endroit là. Je ne sais pas où tu peux trouver les huiles archanges. Tu as compris, papa? Pour le numéro de doigt là, c'est le 00237-680-71-0701. 680-71-0701. Bonjour la reine Gomo. Bon, ceux qui sont à l'étranger, on peut vous livrer les produits à l'étranger. Paris, peu importe, on livre avec DHL. Donc vous allez voir que... Non, pour le voyage, vous allez faire un traitement. Je vous vois déjà. Pour le voyage, qu'est-ce qu'elle peut utiliser? Tu veux que je dise que prends le sel de 50, j'utilise. Vous n'aimez pas dépenser sur votre travail spirituel. Donc bêta, vous venez seulement m'écouter sur la vidéo, cela. Écoutez-moi seulement. Pardon, ne vous posez pas les questions de pauvreté. Et vous connaissez, quand il entend, il voit un message de l'autre là. De Jocelyn là. C'est genre de personne que tu lui dis qu'un produit c'est 40 000, il va commencer à te dire, wow, oh, il y a pas la réduction. Donc, peu importe l'endroit où tu es, tu dois d'abord travailler sur toi. Ngetsa, si tu es au Cameroun, tu peux envoyer ta dîme par Orange Money. Tu pries dessus d'abord. Et je viens vous préciser que les numéros, mes numéros sont les numéros que je donne ici. Ne contactez pas une autre personne, même si c'est une personne avec qui j'ai travaillé au Cameroun. Mes numéros sont seulement ce qu'il y a sur la page. Vous envoyez votre dîme ailleurs, c'est votre problème.
Parce que j'ai trop de trahison autour de moi. On va voir les personnes qui vont se retourner. Tellement de trahison. Tu commences à travailler avec quelqu'un, après la personne se retourne demain. Donc voilà les numéros qui sont sur la page. C'est ce que je donne ici tous les jours. Il y a deux numéros principaux. Écrivez encore et encore. Et les menteurs que j'ai autour de moi. Oh. Et au départ, quand ils me voient en ligne comme ça, là, avant de s'approcher de moi, ils croient que quand ils vont venir, oh, en anglais on dit gullible, ils vont trouver quelqu'un qui est bête. Ils vont trouver quelqu'un qui va venir, ouais, marine, ça ne va, ouais, marine. Je vais porter l'argent, je vais donner. En l'espace de 3 mois, il ne peut pas te dire le nombre de personnes. Le nombre de femmes que tu essaies d'aider, tu demandes le boulot. Tu la loges même. C'est le mensonge que tu veux voir. Et le pire, c'est que ces personnes-là font ça. Ils vont encore tomber malades eux-mêmes. Faites très attention avec l'argent qui me concerne. Faites très attention. Comme tu restes, tu complotes contre moi là. Parce que je ne dois rien à personne. Je ne vous dois rien. Va écouter mes vidéos. Je ne suis pas obligé de payer ton loyer. Je ne suis pas obligé. Parce que j'ai des personnes qui sont venues à côté de moi qui ont commencé à faire comme si je suis censé m'occuper d'eux. Tu as deux mains, tu as deux pieds. Laissons même que tu as des parents ou une famille, laissons. Tu as deux mains, tu as deux pieds. On dit lave-toi avec le sel, tu ne te laves pas. Qui va venir se laver pour toi? Donc les numéros sont ici. 693 50 22 66, 680 71 0701. Je vais répéter les numéros. 698 367 221. Voilà les seuls numéros sur lesquels vous me contactez. Vous contactez ailleurs, c'est votre problème. Même si quelqu'un vous a consulté avant. Et ces personnes qui collaborent avec moi, je dis, si vous faites une consultation, faites avec les numéros de l'entreprise. Maintenant, ils vont faire avec leur numéro. Si vous partez les écrire, vous partez travailler avec eux, je n'ai pas de problème, c'est votre choix. Mais après, ne revenez pas me dire, oh, j'ai rêvé de toi, alors que je ne suis pas dedans. J'ai des personnes qui viennent à côté de moi, ils voient mon pouvoir, ils croient que, je vous dis encore, hein, c'est Dieu qui a mis sa main sur moi, c'est Dieu qui vous amène. Écrivez encore. Donc si vous faites, vous envoyez le Western Union à quelqu'un d'autre que M. Abbé Solo, c'est votre problème. Si vous envoyez votre dîme à quelqu'un d'autre, c'est votre problème. Moi, je vous dis ça ici, la hora. Et si quelqu'un qui travaille avec toi avant que tu aies pris la dîme des gens, c'est ton problème. Parce que le principe de la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est un travail spirituel. Tu portes la pauvreté de ta famille, tes blocages, tes problèmes. Tu enveloppes ça dans ton argent. Tu viens me donner. Comprenez bien, hein? Donc, si quelqu'un pense qu'il a le cœur, il n'y a pas de problème. Moi, je dis que je ne coupe pas, moi, je ne coupe pas. Alors, il run. Qui porte vos problèmes, il met dans sa famille. Il n'y a pas de souci. Ça va rester sur lui, rester sur ses enfants, ses petits-enfants. Donc, j'ai dit, j'ai précisé encore. Si vous me contactez à travers le numéro d'une autre personne, donc j'ai donné 698. 367 221, 680 71 0701. Et le nom pour les trucs, c'est Joséline. Si vous faites les dépôts, je vous assure, vous ne pouvez pas comprendre, connaître le nombre de Decepticons que j'ai autour de moi. Je suis dépassé. Mince. Et il vient toujours, oh mommy, oh ma reine. Oh là 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 là, la totale quoi. Ma reine chérie. Et dans le cœur de la personne, ce qu'on te le dit, pourquoi tu as même tout ce que tu as? Pourquoi tu as même ça?
une petite fille comme toi. Même les Mbengistes. Oh. Vous pensez que Mbengue est rose pour eux? Je vous parle souvent des Mbengistes, c'est parce que j'ai vu les couleurs des Mbengistes. Et quand la nationalité, il a tout. Il vient, il te veut les problèmes. Il dit que mamie, je suis une petite Camerounaise dans mon petit pays, le Cameroun. Tu es dans le grand continent puissant, non? Tu me déranges pourquoi? La bichette, j'ai moi déjà compris, ce n'est pas moi qui les combat. C'est pour ça que je suis toujours zen. Si mon pouvoir venait d'eux, ça me dérangerait. C'est le jour où je vais me lever, Dieu va me dire que Jocelyne, je suis fâchée avec toi. Que je vais dire, ah! Comprenez bien. Les sorciers de l'Europe là, elles se mettent là-bas et me disent, oh, mamie, il faut voir un peu. Et je précise, depuis au moins 5 jours, je n'ai pas pu faire de consultation. Même les consultations urgentes. Même les urgences, je n'ai pas pu faire. Les gens ont atteint un degré de supercherie. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit, hein, dans 10 ans, il serait toujours moi là. Il serait toujours moi. Peut-être qu'il n'aurait même pas vieilli. Même une ride ne sera pas sur mon visage. Mais il serait toujours comme vous voyez là. Il serait toujours simple. Bouger, mousser, monter, descendre. Vous allez quoi? Vous allez venir me trouver là-dessus. Il n'y a pas de problème. Vous allez m'insulter. Vous allez insulter mes enfants. Vous allez faire, je m'en fous. Mais me trouver en train de bagarrer avec vous, avec les mots, moi. Moi, c'est. Ma bouche, si c'est pour bénir les gens. Je n'ai pas le temps. Donc, vous devez comprendre. Ils vont se liguer avec les membres. Il y en a qui sont allés prendre mes amis les plus proches. Aller coucher avec mes petits frères. Les monter contre moi. Donc les sorciers Karaba que je suis la page, cela. Je vous en prie, ne venez pas porter vos malchances sur moi. Parce que moi, je ne veux pas vous maudire. Je travaille avec les anges. Hey Seigneur, si vous voulez comprendre et connaître. Quand la Bible dit que ne touchez pas loin de Dieu. Ne touche pas quelqu'un qui a le sceau de Dieu sur lui. Vous savez pourquoi? J'ai trop de vies que je dois sauver. J'ai trop de... Donc même Dieu ne peut pas permettre que quelque chose m'arrive. Et c'est que chaque jour que mes mères parlent ici, je sauve au moins 100 personnes. Au moins 100 personnes. Plus concentré que moi, tu ne peux pas trouver sur la tête ici. Moi. Parfois, tu vas me faire les problèmes. Même mon propre gars, il me fait les problèmes. Là où je dois faire mon direct, il vient faire mon direct. Là où je dois aller manger ma nourriture, il mange ma nourriture. Tu viens troubler ma paix. Non, tu n'es pas encore né. Même mes propres enfants, ils leur disent toujours. Tu as ton corps, tu ne fais pas battre ton cœur. Tu as ton corps, j'ai mon corps. Donc si elle parle, tu comprends, c'est bien. Tu ne comprends pas, ne crois pas que je vais perdre mon sommeil. Je perds mon sommeil pour toi. Non, that is too much. Donc, ils vont venir sous toutes les formes. Et vous devez comprendre que la maturité, la puissance de quelqu'un, ce n'est pas toi qui dis que j'ai le pouvoir. Oh, je suis, oh là là, non, non, non. Un grand, hein, même si tu enlèves tout sur lui, il est nu dans une cellule, il reste un grand. Imaginez pas un grand dans une cellule en train de dire, je vous en prie, jamais. Déshabillez-le, mettez-le là-bas, fouettez-le, il va s'asseoir parce qu'il va vous regarder. Quand je suis restée, j'ai pensé un peu à Nelson Mandela. J'ai dit que mince. Qu'est-ce qui était dans la tête de cet homme? Qu'est-ce qui était dans la tête de cet homme? Pour qu'il reste en prison 27 ans. Il avait compris que même la mort là, c'est rien. Jésus avait compris que même la mort. Montou, oui, j'ai suivi ces gens spirituellement. Oui.
Mais après, tu sais, quand quelqu'un se frotte à toi, et il commence à être béni, il croit que c'est lui la bénédiction. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il commence à se dire, mais attends, elle a même fait quoi pour moi? Elle a même fait quoi dans ma vie? Rappelle-toi quand tu étais bloqué au pays. Rappelle-toi quand tu venais de quitter ton mariage. Tu n'avais pas 5 francs. Tu venais d'aménager dans ton appartement. Le matelas est au sol. Tu as commencé à écouter mes vidéos. Tu t'es relevé. Tu as bâti ton business. Tu écoutais mes vidéos nuit et jour. Demain, quand tu auras ton château, je t'en prie, ne te lève pas, tu m'insultes. Je t'en prie. Ne te lève pas, tu m'insultes. Même si je ne te connais pas. Hein. Même si je ne te connais pas. Ne m'insulte pas. Dans mes étapes spirituelles, il y a des personnes qui ont eu un rôle spécifique. J'étais dans le ministère de David Oyedepo, le bishop. David Oyedepo, la chapelle des vainqueurs là, Winner's Chapel. J'ai servi là-bas 6 mois. Et il y avait une particularité, il y a des choses que j'ai prises dans ce ministère que je ne pourrais insulter, dire, ah, j'ai même eu quoi de lui? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Non. Non. Et même si je ne le connais pas personnellement, et peut-être je ne le connaîtrai jamais personnellement, spirituellement, s'il me lève et commence à l'insulter, il commence à mal parler de lui. Oh, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je porte ma part de karma. Oui. Pardon. Muntu Mozi, comme tu dis que parfois il faut laisser les gens dans leurs problèmes. L'autre jour, je suis resté ici là, j'ai dit que yeah, je ne veux plus moi aider quelqu'un et je ne veux plus aider quelqu'un et. Donc les marraines qu'on me dit là, c'est la flatterie. Donc les momies là, c'est le couteau qu'on met dans mon dos. Félicitations le roi de Roule William. Félicitations. Les gens vont parfois voir ta bénédiction venir, dit que il faut que je puise dans cette bénédiction. Je dois sucer cette bénédiction aussi. Non, laissez. Les gens vont tourner le film ici dehors. Donc, si on te nourrit dans les rêves, c'est bon, non. Tu veux qu'elle fasse quoi? Donc, vous serez très attaqué et distrait, comme j'ai dit au départ. Oui, je vais faire les TikTok, les directs de TikTok. Quand je vais, dans peut-être 4 ou 5 jours, je vais recommencer les lives de TikTok. Peut-être te lèves aujourd'hui, tu dis, ok, il faut que je travaille sur ma chanson. Je veux faire un single. Tu t'assois. On t'appelle au téléphone. Oh, il y a telle personne qui est malade, il est à l'hôpital, il faut que tu viennes. Oh, tu pars là-bas à l'hôpital à 10h, tu finis à l'hôpital à minuit. Tu te lèves, tu dis, ok, il faut que je... Aujourd'hui, je dois un peu travailler sur mon business que je veux créer. Tu t'assois à 8h. Oui, viens, il y a telle chose. Oh, viens m'aider ici, là, au parquet. Oh, viens m'aider ici. Viens faire ceci. Donc, voilà, tu pars, non. C'est le soir que tu reviens à la maison. Et après 4, 5, 6 jours, l'énergie que tu avais accumulée pour faire ce que tu voulais faire, là, l'énergie est partie. Donc vous devez avoir, on appelle ça en anglais resilience. Resilience, c'est une sorte de persistance. Donc,
Tu te dis que coûte, on monte, on descend. Même si c'est à minuit que je dois m'asseoir pour écrire la chanson là, je vais m'asseoir pour écrire. Même si je dois me lever entre 4h et 6h, je vais faire. Maintenant, quand je traverse les tribulations, hein, je sais toujours que si ce problème est en train de venir, le diable a vu une grande bénédiction qui est en train d'arriver. Donc, il se sent impuissant. Donc, il faut qu'il me distrait. Ça peut être un faux problème. Parce que si tu vois deux personnes s'engueuler en route, tu ne sauras qui a commencé. Tu ne sauras qui est le fou. Si tu vois deux personnes en train de s'engueuler, même si tu vois un homme normal, bien habillé, avec quelqu'un qui ressemble à un fou, les deux sont en train de se chamailler. Tu vas, est-ce que tu vas, si on te dit que le monsieur qui est habillé normalement, là, que ce n'est pas un fou, est-ce que tu vas croire? Tu vas te dire, oh, deux fous qui s'engueulent. Oh, deux fous. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre ton énergie, tu donnes dans leurs choses là. Tu ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas venir et te dire, et t'insulte même quoi, que ton nez est vert. Oh, le matin là, tu as vu ton nez, tu vois comment c'est un peu jaune marron là. Hein? Tu me dis que mon nez est vert, pourquoi? Hein? Tu vas voir. Hein? Ma chérie, tu sais que ton nez n'est pas vert. Tu sais que tu. Ou bien quelqu'un te voit en voiture, elle commence à t'insulter. Piétonne. Hein? Tu es piétonne. J'ai la voiture, non? Si tu descends de ta voiture, tu commences à insulter la personne qu'elle t'a insultée, que piétonne. C'est que c'est toi-même qui es folle. Bonjour la reine Nouria. Donc, il faut savoir utiliser votre maturité pour ne pas tomber dans le piège où il veut vous entraîner. Quelqu'un vient voir que tu es marié. Tu as laissé ton mari le matin à la maison avec les enfants, ils sont partis à l'école, je sais pas. Hein? Une femme célibataire comme toi. Hein? Mademoiselle. Si tu sautes dans la conversation, tu commences à dire non, moi je suis mariée depuis. C'est que tu es folle, non? C'est ça qu'ils vont vouloir vous faire. Tu sais que tu guéris. Tu sais que tu es bonne dans ce que tu fais. Tu es une bonne avocate. Hein? Hein? Les avocats à deux balles. Tes années d'études que tu as fait, ton diplôme qui est accroché dans ton bureau, là, c'est la personne là qui va venir te donner ça. Hein? Ou parce qu'elle a parlé, on va retirer le diplôme. Ces personnes, parfois, quand ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire, leur dernière stratégie, ce sera de toucher vos émotions. Et tu dois savoir qui tu es à un point où tu sais que ma personnalité ne dépend pas des paroles de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on m'appelait ma reine que je sais que je suis une reine. Ce n'est pas vos paroles. Jamais. Même si personne ne m'appelle ma reine, ça va pas faire qu'elle devienne plus reine. Quelqu'un vient voir, tu as accouché 4 enfants, elle dit, hey, une femme stérile comme toi. Voilà tes enfants que porté dans mon ventre, j'ai accouché. Même si tu n'as pas porté dans ton ventre. Et Dieu va te... Non, tu vas sentir la nature de l'attaque dans tes os. Genre, la personne qui vient t'insulter que tu es stérile là, tu vas voir que quand elle va t'attaquer, tu vas sentir un esprit derrière, un esprit qui veut t'opprimer, qui veut mettre l'oppression sur toi. Tu vois ce que tu dis, mais... Parce que j'ai l'impression que elle est partie se plaindre au DG. Mais ce n'est pas seulement ça.
On a l'impression que sa plainte au DG là, quand on est parti au RH là, ce n'est pas seulement. Il y a quelque chose derrière. Pas seulement ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. J'ai l'impression qu'il y a une haine particulière derrière. Et c'est masqué. Dès que vous sentez ça, vous arrivez là-bas. Aimez la bouche. Écoutez seulement. Le DG dit oui, voilà. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, oui. N'essayez pas d'insulter la personne en retour. N'essayez pas. Et généralement, Dieu va même envoyer quelqu'un pour vous justifier. Dieu va envoyer quelqu'un qui va te défendre. La personne va prendre le problème là sur lui, mamie. Donc tu es assise comme ça là. C'est la personne qui parle pour toi. Non, laissez. Pourquoi? Non, vous ne pouvez pas lui faire ça. Jamais. Non, monsieur le DG, regardez vous-même. Regardez. Elle a travaillé ici depuis 10 ans. Fidèlement. Comment vous pouvez croire qu'elle est venue vous escroquer? Comment vous pouvez croire que c'est elle qui est venue, elle a fait ça? Toi, tu es là à côté. Tu es calme. Et tu vois l'autre personne avec le mauvais esprit dans lui. Non, c'est une sorcière. Non, depuis que je suis là. Tu sens que les attaques de la personne, c'est pour t'atteindre difficilement, directement. Et ne croyez-moi, ces personnes, généralement, sont parties vous chercher chez les marabouts. Ils sont partis vous attaquer chez les marabouts, ça n'a pas marché. Ils sont partis vous attaquer chez les marabouts, ça n'a pas marché. Certains, ce sont des gens qui sont habités par des entités négatives. À un degré. Une m'a approché comme ça une fois. Ma mère, c'est une sorcière. Mon ex-mari, c'est un sorcier. Tout le monde dans sa vie, dans son existence, mes soeurs sont les sorcières. Je dis, mais est-ce que tout le monde dans ta vie est sorcier? Ah! Quand la sorcellerie de la personne est sortie sur moi, j'ai dit que, non, c'était toi, Karaba. C'était toi, Karaba, la sorcière. C'était toi, Karaba, la sorcière. Ta famille t'a détecté très tôt. Ta mère et ton mari se liguent contre toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur toi. Quand on met une situation, ta mère défend ton mari. Non. Non, this is too much. Il y a quelque chose. Quelqu'un qui t'a poussé du ventre, ça, tu es sorti. Demain, on va te défendre plutôt. Non, ça veut dire que même toi, là, il y a un brin de sorcellerie dans toi. Donc, la majorité de ces personnes-là, ces personnes vous ont cherché. Elles sont venues pour sucer votre énergie. Mais comme tu connais à te protéger, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà maintenant. Il faut qu'elle passe par notre moyen. Il faut qu'elle te gâte devant les gens. Mais tu sais, la justice de Dieu, oh là là. Je vous dis toujours l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph ont comploté contre lui. Tenté de le tuer. Finalement, Joseph se retrouve... Finalement, Joseph se retrouve premier ministre après avoir traversé ses propres situations. Parce que quand tu lis le psaume 105, Joseph était dans les batailles spirituelles. Quand son heure est arrivée, on a envoyé le chef des armées d'aller défaire ses liens. Et on a mis le commandement dans la main de Joseph. Que c'est lui maintenant qui va juger les princes. C'est lui qui va enseigner les rois de ce pays. Psaume 105, verset 18 à 21. Et quand ses frères viennent, Genèse 50, verset 20,
Joseph dit que vous avez fait ça parce que vous avez l'intention de me faire du mal. You meant bad, you meant evil for me. Mais Dieu a transformé ça pour faire du bien à beaucoup de personnes. Quand vous traversez les persécutions, votre pensée et votre bouche doit toujours être... Il y a quelque chose de bien qui va sortir de ça. Something good is coming out of this. Parce que je suis convaincu que dans la destinée, tu ne t'assois pas seulement, tu ne fais rien. Il y a des actes que tu dois poser, il y a des choses que tu dois faire. Parfois c'est ta belle-mère, parfois c'est ta belle-sœur. Parfois c'est ton collègue de boulot. Comme tu sors pour aller travailler comme ça, tu sais que tu vas passer une mauvaise journée. Parce qu'il y aura tout quelqu'un qui veut... Quand tu vois la personne, ton corps fait un genre. Et pourquoi ils vont aimer, pourquoi ils font ça? La jalousie. La jalousie. Tu touches le même salaire que moi, regarde ton teint. Pourquoi tu es belle? Pourquoi tu es brune? Hein? Pourquoi tu postes ta photo sur TikTok? On aime. Pourquoi on aime ta part plus que ma part? Pourquoi tu fais le direct, les gens regardent? Pourquoi les gens t'appellent ma reine? Les gens ont les faux problèmes, hein? Les gens ont les faux problèmes avec vous. Pourquoi c'est d'abord toi qui t'es mariée avant moi? Pourquoi tu as accouché avant moi? On va aller te gâter. Non, elle a accouché à 19 ans. Elle a accouché à 19 ans, elle m'a fini l'école. J'ai accouché, c'est tout. Parce qu'on vous avait à classer dernier. Ils sont partis en Beng à 20 ans, non? Tu es arrivé en Beng à 45 ans. Est-ce que ça a changé que tu es aussi en Beng? Tu es aussi en Beng, non? Tu es aussi en Beng, non? Clara, tu as envoyé, je vous ai dit que pour ceux qui voulaient les lettres de déclaration, quand vous faites le paiement, vous envoyez la capture d'écran. On vous envoie la lettre de déclaration immédiatement. Je n'ai jamais vu le Seigneur oublier. Appelle son nom, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il aime la chanson là. Tu n'as même pas la situation qu'ils ont. Hein. Tu es en CDD, voilà, ils sont en CDI. Donc ils sont mieux que toi. Fais le dépôt au 693 50 22 66. Je suis fatigué de vous dire les numéros, vous ne notez pas pour me demander encore. C'est sur la page 693 50 22 66. Elle est mariée. Elle a un bon boulot. Elle a ses papiers. Elle a ses enfants. Tu es là. Tu as peut-être 2-3 enfants. Tu n'as pas de gars. Tu n'es pas marié. Tu vis dans ton petit truc comme ça, ta petite chambre. Même comme ça, elle ne veut pas. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Donc pour elle, il faut que tu sois 6 pieds sous terre. Oui. Si j'ai envoyé la capture d'écran, on va regarder en journée. Tu as compris? Donc écris à nouveau, tu dis que tu veux les déclarations. Clara. C'est bien ça, Clara. Tu es décidé. Hein? Quand il a vendu les déclarations, là, très peu de personnes ont acheté. Chacun qui connaît sa chose. Et pour ceux qui ont acheté ça, je bénis vos déclarations. Je déclare que quand vous allez parler comme ça, tout ce que vous allez déclarer va se réaliser au nom de Jésus.
Donc vous devez comprendre qu'ils sont après, ils veulent finir votre énergie. On ne comprend pas pourquoi tu n'as presque rien, tu n'as pas les papiers, mais tu as toujours la joie. Quelqu'un arrive quelque part où vous êtes ensemble comme ça, là, on t'apprécie. Waouh, tu es belle. Waouh. Ta cousine est belle. Ça l'énerve. Non, elle vient d'arriver. Elle n'a pas les papiers. Ah, on a seulement complimenté ta cousine, c'est tout. C'est tout. Comment c'est que son mariage est foutu là? Elle voit quelqu'un qui est intéressé par toi. Non. Elle ne veut pas. Voilà mes matobos. Hein. Vous voyez. Ah, il ne blague pas mes choses. C'est vous qui avez les complexes. Il n'est pas les Brésiliens sur la tête. C'est vous qui voulez les Brésiliennes. Je suis camerounaise, je ne suis pas brésilienne. Je ne suis pas péruvienne. Je ne suis pas indienne. Je suis camerounaise. Donc, vous allez faire l'effort parce que les attaques là, vous les recevrez encore en journée. Vous allez aussi quitter ces environnements. Beaucoup d'entre vous, quand vous êtes dans ces services là, l'esprit veut que vous vous mettiez à votre compte. Il ne sait pas pourquoi vous résistez. Et l'esprit me dit qu'il y en a parmi vous, vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas aller travailler dans un bureau. Et l'esprit me dit que c'est votre terrain de formation, que tu es en train d'apprendre à être indépendante ou indépendant. Tu es en train d'apprendre à être indépendant. Donc, le fait que tu n'aies pas les papiers et que tu ne peux pas aller travailler légalement, c'est exprès en fait. Et si il me dit de te dire que si tu regardes en arrière correctement, ça fait déjà des mois que tu vis sans travailler pour quelqu'un, mais tu as l'argent. Donc, il faut que tu changes ton mindset par rapport à toi-même. Tu es dans un environnement où les gens te disent, ah non, c'est le boulot, il faut travailler pour les gens, si oh. Donc, l'esprit médiatique te dit que non. Donc, tu vas apprendre ça. Donc, ceux qui sont encore en train de travailler pour d'autres personnes, planifiez votre sortie. Vous devez aussi quitter les environnements négatifs. Vous devez quitter les environnements négatifs. Il y a certains environnements qui ne sont pas bien pour vous. Vous le savez, mais même si ça va vous coûter, tu as déjà payé le loyer là-bas, tu dis, oh, ils vont laisser, ils vont garder ma caution. Oh, ils vont... Tu ne sais pas ce que ça te coûte en énergie. Dans la nuit, là, tu ne connais pas combien ça te coûte en énergie. Commence à travailler pour toi-même. Et ne donne pas de l'attention. Ne parle même pas de ce qu'ils t'ont fait. Ne pas donc, ne perds même pas le temps pour dire, ah, tu as vu ce qu'elle m'a fait. Hé, maman, elle a, Ne leur donnez pas le temps, l'attention ou l'énergie. Bonjour la reine Ariette, bonjour la reine Adège. Et souvent ces attaques spirituelles, parfois tu sursautes à 3 heures, tu vas aller pisser. Tu te rends compte à 3 heures que tu es en train de penser à la personne. Négativement en fait. Hé, hey, le roi t'a là, comment tu vas? Ça veut dire que l'esprit qui est la personne là qui est en train de te déranger, c'est très négatif. Quand il me retrouve à 3 heures, je suis en train de penser à un problème. Hein. Premièrement, j'ai d'abord un processus pour évacuer ça de ma tête. Si la personne m'a fait du mal, je dis que je te bénis. Je te bénis. 8 nains noirs, tu as des attaques spirituelles. Pas seulement que tu travailles sur toi. Donc, je bénis seulement la personne. Il dit, je te bénis. Je te bénis. Je te libère. Ça fait les pensées de la personne à sortir de ma maison d'abord, de ma chambre, de ma maison, de mon esprit.
La feuille de déclaration, ce sont des choses que vous pouvez lire chaque matin. Qui vont vous aider. Oui, Fifi, écris encore sur WhatsApp. Depuis 5 jours au moins, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fait de consultation, rien. Donc je reprends aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez demandé sur WhatsApp, on ne vous a pas répondu. Relancez-nous aujourd'hui. Tu peux venir, on peut peut-être faire un lavage. Si tu es à Douala, tu viens à Maquet, puis on te fait un lavage. La Douala. Vous connaissez que quand la pluie commence à Douala, la pluie ne vous demande pas votre avis. Voilà les gens qui jouent c'est le 2-0. Hein. Dans la pluie. Priscilla, vous voulez partir en Beng, non? Vous êtes maintenant en Beng, vous dites que Douala vous manque. On te dit de venir au pays, tu vas dire non, non, non. Qui connaît l'immeuble ici? Donnez son nom. Essayons de voir si on peut capter le nom. Et la caméra du téléphone, c'est pimpante.